Dans cette table ronde sur l'éthique et l'ubérisation du système de santé, je représentais le groupe Orange. Donc Orange est un acteur historique de la modernisation du système de santé. Je l'ai rappelé. J'ai rappelé également qu'on était hébergeur de données de santé depuis le tout début et que nous, prochainement, nous serons certifiés puisque l'aspect hébergement de données de santé, sécurisation, bien entendu, est un aspect très important pour mon entreprise. Nous accompagnons la modernisation du système de santé. Nous investissons dans des expérimentations sur l'intelligence artificielle. Nous investissons également dans l'expérimentation de plateformes de coordination, que ce soit au titre de territoires de santé numérique, et nous répondons également sur le maintien à domicile avec des plateformes, là encore en consortium industriel pour le département de l'Isère. Donc l'ubérisation, donc ça veut dire ces plateformes de coordination plus ou moins automatiques, plus ou moins avec l'aide d'acteurs métiers, c'est effectivement une très grande opportunité pour des acteurs du numérique d'apporter tout leur soutien à la transformation du système de santé. Cette transformation du système de santé, donc aussi bien avec la prévention, l'accompagnement que l'aspect sanitaire, permet au système de santé de se tourner vers le bénéficiaire, qu'il soit patient, personne fragile ou personne âgée.